Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui est en fait plutôt un podcast dans lequel je vais parler du film de Roman Polanski, J'accuse, actuellement en salle, toujours en salle au moment où j'enregistre cette vidéo en tout cas. Je tiens à préciser absolument que ce n'est pas une vidéo sur l'affaire Dreyfus, c'est vraiment une vidéo sur le film de Polanski, même si évidemment on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre, surtout moi qui suis passionné d'histoire, qui m'intéresse beaucoup à cette histoire. À cette affaire Dreyfus et aux conséquences de l'affaire Dreyfus et à ce qui se trame derrière l'affaire Dreyfus. C'est comme si j'étais, si vous voulez, un amateur de paléontologie et que je vous disais, on va vous parler aujourd'hui du film Jurassic Park de Spielberg, mais attention, on va pas réellement parler des dinosaures, de la réalité historique des dinosaures, on va pas parler de l'ère du Jurassique, on va vraiment parler que du film de Spielberg. Évidemment, non. Là, de la même manière, on va parler du film, évidemment. Et lorsqu'il sera nécessaire de faire des parallèles très précis, très ciblés sur des points de l'affaire Dreyfus, ceux notamment qui sont évoqués dans le film, ou justement ceux qui ne sont pas évoqués dans le film, mais qui auraient dû l'être, alors à ce moment-là, évidemment, il y aura des passerelles continuelles entre le film et l'affaire, l'affaire et le film, mais je veux vraiment qu'on parte du principe et qu'on garde en tête que c'est une vidéo sur le film de Polanski. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui envisagent d'aller le voir éventuellement, faut bien qu'ils s'attendent à ce que dans cette vidéo, je fasse ce qu'on n'est pas censé faire lorsqu'on parle d'un film à des gens qui ne l'ont pas encore vu. Je vais, excusez-moi, un anglicisme va être utilisé, je vais spoiler. On ne dit pas spoiler, mais divulgâcher. Oui, c'est vrai. Donc je vais dire divulgâcher, c'est mieux que spoiler. Ça vient du Québec. Ah bon, je vais dire dévoiler en fait. Le film de Polanski, donc déjà, contrairement à ce qu'on pourrait croire, contrairement à ce que l'affiche laisse penser, contrairement à ce que le... C'est pas un film sur Dreyfus. Ce n'est pas un film, ce n'est pas un biopic sur Dreyfus. Ce n'est même pas la vie de Dreyfus circonscrite à l'affaire Dreyfus. Si c'est un film sur quelqu'un, c'est un film sur Picard. D'abord commandant Picard, puis lieutenant-colonel Picard, on va dire colonel Picard. Le personnage de Dreyfus, l'acteur qui incarne Dreyfus, lui, il apparaît à l'écran, si je ne m'abuse, alors que j'ai pas compté montre en main, sur 2 heures et quart de film approximativement. Si on le voit un quart d'heure en tout et pour tout, c'est bien. Allez, 20 minutes, je sais pas, peut-être même moins, je me rends pas bien compte. Mais en tout cas, on le voit au début, un petit peu au milieu, quelques brèves apparitions lointaines, et il revient à la fin, mais ça, c'est tout. Donc c'est vraiment pas un film sur Dreyfus. C'est un film sur Picard, tel que Picard a mené à l'intérieur de l'affaire Dreyfus, sa barque. Qu'est-ce qu'a fait Picard? Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qu'il a découvert? Qu'est-ce qu'il n'a pas découvert? Qu'est-ce qu'il a cru découvrir? Qu'est-ce qu'il a cru devoir révéler au grand public, etc. C'est surtout ça. Donc, comme c'est un film, c'est une œuvre, création artistique, donc on ne peut pas faire l'économie d'un commentaire sur ce qu'il vaut artistiquement parlant. Et artistiquement parlant, techniquement parlant, visuellement parlant, cinématographiquement parlant, c'est une réussite, incontestablement. D'ailleurs, c'est réalisé par Roman Polanski, donc au-delà des polémiques sur est-ce qu'on aime ou pas le personnage, sur son passé de violeur, vous connaissez toutes ces histoires-là, quelque chose qu'on ne peut absolument pas lui retirer, c'est qu'il est un maître de cinéma. Et là, il nous le montre, il nous le remontre une nouvelle fois. Ceux qui voulaient porter la critique Polanski sur le terrain de son métier de cinéaste, ça va être difficile pour eux de le faire à ce moment-là. Probablement un très très bon metteur en scène. C'est une excellente reconstitution historique avec quelques bémols. La qualité de la reconstitution historique réside surtout dans les scènes d'intérieur, les décors intérieurs, si vous voulez. Tout ce qui se passe en intérieur, alors les scènes de procès, mais les scènes d'appartement quelconque, etc., la reconstitution des décors intérieurs sont vraiment d'immense qualité. J'insiste sur le fait que c'est intérieur parce que sur les plans plus généraux d'extérieur, où on voit des bâtiments, etc., malheureusement, un œil, même sans être un œil d'expert absolu, mais un peu aguerri qui a l'habitude de voir des films, voit très bien où sont les implants d'ajout, les implants d'image de synthèse, etc. Le studio qui s'occupait des effets spéciaux, les truquistes, n'ont pas probablement été à la hauteur des décorateurs des scènes d'intérieur, on va dire ça comme ça. Mais un film sur la forme, c'est pas seulement ça, parce que si ça n'était que ça, à la limite, on pourrait dire Polanski n'y est pour rien, c'est pas lui le décorateur et c'est pas lui le truquiste. Il n'y a pas que ça qui fait la qualité esthétique et visuelle du film, c'est aussi le cadrage, les champs contre champs,
le rythme du film, comment il se déroule, comment il est déroulé, comment l'intrigue est déroulée, comment les choses sont amenées, comment la musique est placée au bon moment, etc. Bon, tout ça, c'est un travail d'ensemble. Effectivement, chacun a sa spécialisation. Le musicien va s'occuper de la musique, le décorateur des décors, mais au-dessus de tous ces gens-là, il y a le chef d'orchestre qui agence tout ça, c'est Polanski. Bon, bah, ma foi, il a fait quelque chose de franchement, franchement très réussi. La qualité visuelle, la qualité artistique et technique dépend aussi de la distribution, ce qu'on va appeler par un anglicisme le casting, qui est un mot que vous connaissez sans doute plus malheureusement. La distribution, alors là, honnêtement, c'est quasiment du 20 sur 20. Les acteurs, vraiment tous, quasiment tous, sont parfaits. Et ce qui fait la qualité de ce film, c'est que les acteurs sont bons, mais ce qui fait la qualité de ce film en tant que reconstitution historique, c'est que les acteurs, en plus d'être bons, nous transportent véritablement dans l'époque en question. Parce qu'ils ont évidemment ajusté leur mimique, leur façon de parler, leur façon de s'exprimer, parce que ce sont d'immenses acteurs qui ne font rien au hasard. Donc on a vraiment l'impression, vous voyez le même acteur, vous le verriez dans une comédie dramatique qui se passe en 2019 à Paris, il ne jouerait pas de la même manière. Un bon acteur est capable d'adapter son jeu aux circonstances, au sujet qui est traité, il est capable de rendre son ton plus ou moins dramatique, plus ou moins comique en fonction des... Et là, les acteurs ont réussi à avoir un ton 1900, un ton belle époque si vous voulez. C'est franchement très réussi et ça fait vraiment partie de la forme du film. Là aussi, on pourrait dire oui, c'est les acteurs qui sont bons, mais vous savez, si vous vous êtes déjà approché d'un tournage de film, un acteur peut être excellent, mais s'il est mal utilisé, mal employé par un metteur en scène, il n'aura pas une prestation gigantesque. On a des très grands acteurs qui ont des prestations médiocres dans certains films parce qu'ils ont été mal dirigés par le metteur en scène. Là, on peut dire une fois de plus que Polanski marque un point. Il a réussi à recruter des acteurs de très très haut niveau. D'ailleurs, quand vous voyez se dérouler le générique de fin et l'apparition des différents acteurs qui jouent les personnages principaux de l'histoire, ils sont quasiment tous sociétaires de la comédie française. Donc, je pense que c'est un peu le haut du panier. Casting, distribution réussie à quasi 100%, mais il y a un bémol, et là je vais peut-être surprendre, c'est Jean Dujardin en fait. Il me semble que Jean Dujardin est celui qui tranche avec la virtuosité de tous les autres. Mais je l'explique par deux raisons. D'abord parce qu'on connaît surtout Jean Dujardin pour ses rôles comiques. Moi je le connais pour ses rôles comiques et je l'ai vu comme vous sans doute dans OSS 117, où il est un personnage loufoque et en vérité comique, mais qui parfois essaye d'être sérieux, au point d'en devenir ridicule. Et bien trop souvent, en le voyant dans ce film, j'ai voulu regarder Picard, mais je n'ai vu que Lucien Bramard, ce qui est l'un des personnages qu'il joue dans OSS 117. Donc je voulais voir Picard, je voulais voir Jean Dujardin dans un rôle sérieux, dramatique, réussir à se camper dans ce rôle, mais je ne pouvais pas m'empêcher de voir Lucien Bramard avec un képi. Et ça m'a beaucoup perturbé dans le film. L'autre élément qui fait que la prestation de Dujardin nous paraît un cran en dessous, enfin qu'est-ce que je dis nous, en tout cas me paraît à moi un cran en dessous, c'est justement que malheureusement la comparaison avec le reste de la distribution ne lui est pas favorable, pour les raisons que j'ai dites juste avant, c'est que les autres acteurs sont vraiment immenses, ce sont de vrais acteurs. Pas forcément populaire dans le sens de Dujardin, mais avec une vraie formation artistique, avec une expérience du théâtre, etc. Donc, quand on est Jean Dujardin, un acteur grand public, un peu populaire, ayant eu des rôles comiques à son actif, c'est vrai que c'est quand même difficile d'arriver sur ce genre de plateau, avec ce genre d'histoire très lourde, entouré d'acteurs qui sont au top niveau et d'être à leur niveau. C'est difficile. Donc, j'imagine que si je n'avais pas vu des films du Jardin avant où il est comique et un peu ridicule. Et si les autres acteurs de ce film n'étaient pas à ce niveau-là, probablement que la prestation de Jean Dujardin m'aurait paru beaucoup plus acceptable. Mais là, voilà, la prestation de Dujardin en tant que telle, dans le contexte que je viens de décrire, eh bien, malheureusement, ça ne favorise pas, enfin voilà, le contraste n'est pas favorable à Jean Dujardin. Néanmoins, il s'en sort bien. Attention, je suis pas en train de dire qu'il a foiré le film, qu'il a foiré son rôle, mais c'est vrai, pour reprendre cette formule que j'aime bien, on voit Dujardin jouer, on voudrait regarder Picard, mais on voit Lucien Bramard avec un képi, c'est un petit peu déstabilisant. L'histoire du film, je vous ai dit, c'est pas un film sur Dreyfus, c'est à peine un film sur l'affaire Dreyfus, ce n'est pas toute l'affaire Dreyfus, on l'apprend en cours de route. Donc le film commence par la scène de dégradation militaire de Dreyfus. Donc
L'affaire, le début de l'affaire a déjà eu lieu, on ne le voit pas. On aura quelques flashbacks, excusez-moi l'anglicisme, par la suite. Mais le film s'ouvre sur cette scène de la dégradation militaire de Dreyfus, en place, j'allais dire en place publique. Oui et non, entouré de militaires avec du public effectivement derrière les grilles. Scène franchement très puissante. Vraiment très 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 puissante. Tout est réussi sauf les décors, je dis les images de synthèse des bâtiments derrière. Malheureusement, ça vient un peu gâcher le plaisir, mais sinon, la prestation d'acteur, de l'acteur qui fait Dreyfus à ce moment-là, qui crie son innocence au moment où on lui arrache ses attributs militaires, honnêtement, on va pas se mentir, ça vous dresse les poils sur les bras. Ça vous crève le cœur. On se dit, quelqu'un qui n'est pas du tout sensibilisé à l'affaire Dreyfus, qui n'y connaît rien et qui va la découvrir au travers de ce film, dès les premières secondes, il prend fait et cause pour Dreyfus, pour une raison aussi basique que l'acteur est excellent et que sur cette scène en particulier qui ouvre le film, il arrive à nous prendre tout de suite aux tripes. Donc franchement, j'ai trouvé cette scène vraiment très 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 belle. Ensuite, on continue le moment, c'est on va suivre Picard qui est nommé à la section de statistiques, qui est comme vous le savez le nom de couverture, le nom de code presque, plutôt le nom de couverture d'ailleurs du contre-espionnage français. Vous savez que nous sommes à peu près à ce moment-là, à mi-distance entre la guerre de 1870 et la future guerre de 1914, donc un climat de tension exceptionnel entre la France et l'Allemagne, ça ne date pas d'hier, ça a continué encore longtemps après, mais même sans cela, les nations ont un service d'espionnage et de contre-espionnage, parce que les nations, alors quand il y a de la tension entre elles, c'est encore pire, mais même lorsqu'elles sont prétendument en bons termes, diplomatiquement, etc., les nations se surveillent, s'espionnent, etc. Donc voilà, il y avait à Paris un service de contre-espionnage. Et l'histoire après la scène de la dégradation militaire, ça va être Picard, en fonction, responsable de la section de statistiques. Voilà. À ce moment-là, l'affaire Dreyfus est prétendument terminée. Dreyfus a été envoyé au bagne, il a été jugé, condamné, il est à l'île du Diable, hein, colonie française de Guyane là-bas, donc il est très loin. Tout a l'air de nous faire penser que l'histoire est terminée, que voilà, le dossier Dreyfus est terminé. Seulement voilà, Picard, qui est en service à la section de statistiques, bah, continue de voir passer des documents qui continuent à être captés de manière très 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 précise avec Marie Bastien, enfin je ne vais pas vous refaire toute l'histoire. Et d'autres documents arrivent donc sous les yeux de Picard qui vont lui révéler une nouvelle activité ou d'autres activités de trahison de quelqu'un qui, à l'intérieur de l'armée française, fait passer des documents à l'ennemi, enfin, au voisin, à une puissance étrangère. Sauf que l'écriture de ces documents, qui est considérée comme étant celle du commandant Esterhazy, ressemble fortement à l'écriture de Dreyfus, notamment du bordereau attribué à Dreyfus. Et donc Picard, dans le film, là je vous raconte pas l'histoire de l'affaire Dreyfus, hein. Là, je vous raconte le film de Polanski. Donc Picard va se dire, tiens, c'est quand même bizarre, il y a quand même une énorme proximité, il va enquêter, il va chouffer, et puis il va aboutir à la conclusion qu'on s'est trompé, que Dreyfus n'est pas le vrai coupable, que le vrai coupable, c'est Esterhazy. Et ça s'explique par deux raisons. D'abord, on avait constaté qu'il y avait une trahison, donc il a bien fallu trouver le coupable. Et l'autre raison, c'est que on s'est trompé de coupable. Vous voyez la différence. Ce n'est pas, tiens, Dreyfus, il est là, celui-là, il nous enquiquine, on va l'embrouiller, on va monter tout un dossier complètement bidon pour le faire tomber. On va inventer un bordereau, etc. Non, le bordereau est là, il existe. On est devant une situation qui nous impose de prendre acte qu'il y a un traître dans la maison. Plusieurs éléments convergent et nous font converger vers Dreyfus. Et voilà. Donc, Picard, à ce moment de l'histoire, ne dit pas, il y a eu un complot contre Dreyfus. Il y a eu une trahison. Il continue de penser qu'il y a eu trahison, sauf que maintenant il pense que le vrai traître est quelqu'un d'autre. Et malheureusement, on s'est un peu trompé, on a peut-être enquêté un peu trop vite, on a peut-être écouté un peu trop aveuglément les experts graphologiques comme Bertillon, etc. Et lui, il se dit, bon, bah, je vais quand même alerter ma hiérarchie, lui faire savoir que d'autres indices sont venus jusqu'à moi qui me font penser et qui devraient nous faire penser à tous qu'il serait important de rapatrier Dreyfus, refaire le procès pour innocenter Dreyfus qui s'avère être innocent, afin d'accabler et de sanctionner le vrai coupable de trahison, qui est Esterhazy. Et l'histoire du film, donc le film, ça va être ça, la bataille de Picard contre sa hiérarchie, contre le ministre, contre les généraux, pour faire éclore cette vérité. Et il va être en opposition avec tous ces gens, toute cette hiérarchie qui est présentée comme étant
pesante, lourde, qui ne veut pas faire de vagues, qui ne veut pas rouvrir le dossier et qui est bien satisfaite d'avoir fait sanctionner un juif. C'est ça l'idée du film. Donc c'est la lutte de Picard contre sa hiérarchie. Évidemment, avec, excusez-moi encore, l'anglicisme, mais c'est vrai que quand on parle de cinéma, c'est difficile de ne pas utiliser l'anglicisme parce que la critique cinématographique est gorgée d'anglicisme. À la fin, happy end, c'est-à-dire que les méchants s'écroulent et les gentils gagnent et l'innocent est réhabilité. Donc ça, c'est vous en doutez. La thèse du film, donc, c'est que Dreyfus est innocent, mais ça, c'est pas étonnant. On s'attendait pas à ce que Roman Polanski vienne secouer l'historiographie académique en disant moi j'ai des nouveaux éléments et vous allez voir Dreyfus était peut-être coupable. Évidemment que non, évidemment que c'est un film très consensuel de ce point de vue-là, donc évidemment que l'armée est très antisémite, évidemment que l'armée est opaque, est obscure, a des comportements bizarres, évidemment que les gentils sont gentils, évidemment que les méchants sont méchants. Donc ça c'est l'histoire. Je ne reproche pas à Polanski d'avoir fait un film académique. Je ne vois vraiment pas dans le contexte actuel, vu qui il est, vu ce qu'il est, vu son passé, vu sa situation, comment il aurait pu faire autrement. Par contre, ce qu'il aurait pu faire, c'est ne pas faire ce film. Et c'est la question que je pose. Ce film, fallait-il le faire? Moi, je pense que non. Quand bien même le voir visuellement, lorsqu'on est amateur d'objets cinématographiques, c'est agréable, il y a de belles choses à voir, une belle reconstitution. Fallait-il faire ce film? Non, pour plusieurs raisons. D'abord, l'affaire Dreyfus, tout le temps qu'elle a duré, longtemps après, a déchiré la France. Ça a vraiment été une source de conflit entre Français. La France est divisée. Je ne sais pas si, dans le contexte politique actuel, il est très judicieux, très utile, très intelligent de remettre sur la table, de remettre dans les débats publics cette affaire qui a déchiré la France. Parce que je ne vois vraiment pas, même si aujourd'hui, évidemment, les choses sont très apaisées par rapport à l'époque, néanmoins, on sait très bien que l'affaire Dreyfus, comme une autre période de l'histoire, c'est terrain miné, zone interdite, on ne peut absolument rien en dire qui sorte du cadre. Ça veut dire que tous les commentaires sur ce film, toutes les critiques sur ce film vont forcément adouber la version académique et vont forcément dire que oui, bah, le film est bon. Qui, honnêtement, va venir dire non, le film de Polanski est un navet? On ne peut pas, parce que c'est un film politique qui reprend les codes de l'historiographie officielle, qui présente les bons sous leurs bons jours et les mauvais sous leurs mauvais jours. Donc en fait, c'est une espèce d'histoire, c'est un film, c'est une œuvre créatrice, une œuvre cinématographique, mais c'est surtout un point de ralliement politique. La question que Polanski veut poser, c'est depuis un certain temps, et c'est pour ça que je dis que c'est aussi une raison qui fait qu'il ne fallait pas faire ce film, parce que les motivations sont sans doute mauvaises à mon avis, c'est que Polanski, qui doit se battre depuis des années contre des gens qui veulent à tout prix le faire tomber pour son passé de violeur, voire de pédophile, alors j'ai pas suivi toute l'histoire, mais en tout cas, chaque fois qu'il sort la tête de son trou, on essaye de lui rappeler ce qu'il est, ce qu'il a été, on veut le faire tomber absolument, on veut boycotter ses films, il a des défenseurs, il continue à en avoir, mais voilà, il y a un moment donné. Dans le climat très anti-féminicide, anti-violence faite aux femmes, etc., ça devient dur pour Polanski de se défendre. Moi, ma thèse, c'est pas très révolutionnaire, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir réfléchi beaucoup pour avoir abouti à cette conclusion, c'est que il a voulu calmer tout le monde, Polanski, en disant: vous essayez progressivement de me mettre dans le camp des méchants. Moi, je viens avec ce film rappeler que Dreyfus était innocent, rappeler qu'il a été une victime juive de la haine antisémite de l'armée française et des forces cléricale et obscure de la France de l'époque, je viens vous montrer par là que je suis dans le camp des gentils. Je suis pas dans le camp des méchants. Je suis dans le camp des progressistes. Je suis Dreyfusard et vous. Je pense que l'une des raisons de ce film, c'est ça. C'est rappeler, se resituer dans le camp du bien, dans le camp des gentils, dans le camp des progressistes. Et je pense qu'effectivement, faire un film dans sa position à lui, tel la façon qu'il a d'être critiqué, d'être remis en cause, etc. Arriver avec un film sur Dreyfus, en reprenant l'affaire Dreyfus et en la vulgarisant et en permettant à la France entière de se rappeler à quel point la France a un passé obscur et antisémite et qu'elle doit se repentir, etc. C'est, de son point de vue, strictement à lui, un coup de génie. Un coup de génie marketing, on dirait. Encore un anglicisme, décidément. Mais c'est un coup de génie. C'est cette façon de calmer tout le monde, d'ailleurs. D'ailleurs, je pense que s'il avait fait un film sur n'importe quel autre sujet totalement secondaire, banal, une pure création artistique originale,
on l'aurait beaucoup plus égratigné à l'occasion de la sortie de ce film. Mais là, comme c'est Dreyfus, oula, totem d'immunité. Donc je pense que c'est pas une bonne raison de faire un film. C'est pas intelligent parce que c'est très personnel comme motivation. C'est très, je vais vous moucher tous, moi, Polanski. Sauf que pour ça, il prend à témoin la France et puis il va rouvrir une plaie qui a fait du mal à la France pendant très longtemps. Il vient la gratter et il se fiche des conséquences. Lui, tout ce qu'il veut, c'est montrer qu'il est dans le camp du bien. Et qui plus est, dans certaines interventions pour présenter son film, il a dit qu'il s'identifie un petit peu à Dreyfus, c'est-à-dire il est accusé parce que juif. C'était le cas de Dreyfus, c'est le cas de Polanski. Donc il essaye de créer un parallèle martyrocratique entre lui et Dreyfus. Donc encore une fois, il se sert de la figure de Dreyfus et il rouvre le dossier Dreyfus pour des raisons très personnelles. Donc tout ça en fait de mauvaises raisons de faire un film. Dans le contexte actuel, il ne fallait pas probablement rouvrir le dossier Dreyfus dans ces conditions-là. Il l'a fait, je le déplore. Bon, maintenant c'est fait, c'est fait. Je pense que le seul cas où il serait pertinent de rouvrir le dossier Dreyfus, c'est si ça nous permettait d'aboutir à des conclusions différentes. Pas forcément aboutir à la conclusion qu'en fait Dreyfus était coupable. Je veux pas rentrer sur ce terrain-là. Je veux dire si au moins on admettait que la condamnation à tort de Dreyfus n'est pas la conséquence d'un complot antisémite de l'armée, d'un acharnement antisémite de l'armée, mais une erreur judiciaire. Point. On s'est trompé. On a fait confiance à des experts en graphologie, ils se sont trompés, mais de bonne foi, on a cru que c'était lui, et de bonne foi, lorsqu'il a été évident, parce que d'autres, que ce n'était plus lui, bon, bah on l'a réhabilité. Si au moins on pouvait arriver là, si au moins on pouvait retirer aux Français l'une des raisons qui les conduisent à se haïr comme ils le font aujourd'hui, à se repentir continuellement. Parce que l'affaire Dreyfus, avec tellement d'autres choses, avec la Seconde Guerre mondiale, avec Pétain, avec la colonisation, avec l'esclavage, avec les guerres, etc., c'est l'une des raisons qui font que les Français n'arrivent plus à s'aimer. Parce qu'ils ont honte de leur passé. Si au moins on rouvrait le dossier Dreyfus pour que l'affaire Dreyfus, au lieu d'être une raison supplémentaire pour les Français de se détester, devenait une raison de ne plus se détester. Si on leur disait, on s'est peut-être trompé, les Français, non, ça n'a pas été aussi, ça n'a pas été exactement comme ça la réalité, on a peut-être un petit peu grossi les traits, là, ce serait une raison pertinente et intéressante de rouvrir le dossier. Mais le rouvrir, comme l'a fait Polanski, c'est-à-dire pour rappeler aux Français que décidément leur pays, c'est un pays monstrueux qui, à toutes les occasions, s'est révélé monstrueux, c'est vraiment pas pertinent pour moi et ça m'embête beaucoup de le faire. Et là, malheureusement, la thèse de Polanski. Alors évidemment, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'allait pas venir avec un film qui en fait attestait de la culpabilité de Dreyfus, évidemment. Mais il aurait pu au moins tempérer un peu les conditions dans lesquelles on s'approche de cette affaire. Comment on la juge, comment on juge l'armée. Là, c'est pas le cas. Malheureusement, Polanski est tombé dans le piège, mais là encore, je vois pas comment il aurait pu faire autrement, de présenter l'armée comme étant antisémite. Sauf qu'il le fait de telle manière qu'on n'arrive pas à y croire. Comment il fait pour prouver que l'armée était antisémite? Parce que l'armée n'était pas antisémite. Il n'y avait pas de loi d'exception contre les soldats et les officiers juifs. D'ailleurs, il y avait beaucoup de soldats, beaucoup d'officiers, et même des officiers généraux juifs, y compris au temps de l'affaire, et avant, et il y en a eu encore après. Il n'y a pas de loi d'exception. On a des officiers, on a des élèves officiers qui sont passés, capitaine, commandant, lieutenant-colonel, etc. Il y a eu des progressions, etc. Donc s'il y avait eu un climat institutionnel, voire systémique d'antisémitisme dans l'armée, ben, il n'y aurait pas de capitaine Dreyfus. On ne peut pas dire le capitaine Dreyfus a été victime de l'antisémitisme de l'armée. Ça revient à faire le tour des plateaux des grands médias pour dire qu'on est censuré. On ne peut pas aller sur les plateaux des grands médias pour dire qu'on est censuré, puisque le fait d'être sur ces plateaux prouve qu'on n'est pas censuré. On ne peut pas dire, c'est dissonant de dire le capitaine Dreyfus a été victime de l'antisémitisme de l'armée. Parce que s'il y avait antisémitisme de l'armée dans les conditions qui nous sont présentées, c'est-à-dire un antisémitisme institutionnel et systémique, il n'y aurait pas de capitaine Dreyfus. On ne l'aurait pas laissé entrer dans l'armée. On ne l'aurait pas laissé s'intégrer à l'état-major. Comprenez ce que je veux dire? Donc le simple fait que Dreyfus est dans l'armée, c'est un premier élément qui nous permet, alors pas forcément de contredire en bloc, mais au moins de tempérer l'accusation d'antisémitisme contre l'armée. Donc c'est difficile de prouver que l'armée était antisémite à l'époque. Mais pourtant, Polanski est obligé de le faire. Il est obligé de convaincre le téléspectateur que l'armée est antisémite,
parce que c'est obligatoire pour la compréhension du récit. Donc comment il fait? Bah, c'est bien simple. Les principaux personnages du film, de temps en temps, à échéance régulière, ils mettent dans leur bouche le mot juif, le mot sale juif, le mot juiverie. C'est tout. Et le téléspectateur qui n'y comprend rien, qui n'y entend rien, il voit ses officiers, ses généraux dire ah, juif, juif, juif. Ces gens sont obsédés par la question juive, donc c'est bien évident que parce que Dreyfus est juif, on a voulu l'accabler. À ce propos, je vais vous lire un tout petit. Oh là, j'ai encore utilisé un anglicisme, j'allais dire un post. Je crois que c'est un anglicisme. Hein. Une publication Facebook que j'ai publiée donc hier ou avant-hier. Je vais vous la lire, c'est très court, hein, mais ça va me permettre de conclure, de ponctuer cette séquence. Je cite, le récit d'un Dreyfus innocent ne tient que parce que l'on a fait croire que l'armée était antisémite. Puisque les gens croient que l'armée était antisémite, ils trouvent logique qu'un juif soit accusé à tort et persécuté. Retirez de l'équation l'élément chimique armée antisémite et vous ne pouvez plus expliquer l'affaire comme le fait l'historiographie académique. Je continue en disant, il n'y a peut-être même pas besoin de prouver que Dreyfus était coupable. Il suffirait de prouver que l'armée n'était pas antisémite et le reste en découlera. Je continue, je termine. Dreyfus était juif et comme plein d'autres juifs, il était officier dans l'armée française. On a connu des armées plus antisémites. Si je dis ça, si je parle de ça, c'est que le mythe d'une armée antisémite, c'est ce qui permet d'installer le récit d'un Dreyfus forcément innocent dans l'histoire. Si vous cessez de penser que l'armée était antisémite, vous ne comprenez plus pourquoi on a accusé à tort Dreyfus et surtout pourquoi on s'est entêté à vouloir le faire condamner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'aurais aimé, j'aurais trouvé utile, d'utilité publique, d'utilité politique même, que Polanski, à défaut de revenir sur l'innocence, culpabilité de Dreyfus, etc., ça, on sait très bien que c'est terrain miné, zone interdite, au moins permettre aux téléspectateurs de quitter la salle avec autre chose en tête que décidément l'armée française, qu'elle plaît, quoi. Hein? C'était vraiment des vilains antisémites, quoi. C'est embêtant, parce qu'en plus, Polanski le fait mal, en fait. On sent que dans certaines discussions, dans certains dialogues des personnages, on a mis le mot juif dans une réplique, parce qu'on veut à tout prix rappeler aux téléspectateurs, à échéance régulière, vous savez, une sorte de piqûre de rappel que ces gens sont antisémites, faudrait pas l'oublier, quoi. Vu que tout ce qu'ils font ne donne pas l'impression que c'est par antisémitisme, bah Polanski se dit, faudrait quand même pas que les gens s'imaginent que ces gens n'étaient pas antisémites. Faudrait pas que le public pense que ces officiers généraux n'étaient pas antisémites. Donc, je vais mettre juif dans leur bouche. La plupart du temps, je vais vous dire très franchement, ça sonne faux. On n'y croit pas. Moi, je n'y crois pas. Par contre, ce que je crois, c'est que Polanski, volontairement ou non, mais probablement involontairement, à laisser des choses dans son film qui probablement desservent le discours qu'il a voulu lui-même tenir. Au tout début du film, savoir que avant l'affaire, avant toute cette grande et terrible affaire, Picard était professeur à l'école supérieure de guerre, où il enseignait, si je ne m'abuse, la topo. Il a eu pour élève Dreyfus, avant l'affaire Dreyfus. Et dans le film, on voit une scène sortie de cours. Le Dreyfus rattrape Picard dans les couloirs. Mon commandant, je peux vous parler? Oui, qu'est-ce qui se passe, Dreyfus? Enfin, oui, qu'est-ce qui se passe, mon capitaine? Est-ce que vous ne m'aimez pas? Est-ce que vous avez un problème avec moi? Alors l'autre comprend pas, dit donc, pourquoi? Bah, tous les autres professeurs m'ont mis une bonne note, sauf vous. Picard répond, bah, j'en sais rien, moi. Peut-être que j'ai pas la même haute opinion que vous avez vous-même de vos propres compétences, c'est ce qu'il lui dit. Et là, j'ai été surpris. Polanski fait dire à Dreyfus, ah bon? Mais ce n'est pas parce que je suis juif. Voilà. Bah moi, je suis désolé, mais là, cette scène me donne pas l'impression d'avoir affaire à un Picard antisémite, mais à un Dreyfus parano. Et c'est très indélicat de la part de Polanski parce que, automatiquement, moi, très honnêtement, je me dis, là, ce Dreyfus est un peu parano. On lui met une mauvaise note. Ah, c'est parce que je suis juif? Bah attends, attends. Non, c'est plus simple, c'est plus compliqué que ça, peut-être. Ça ne s'explique pas comme ça. Ça ne s'explique pas forcément comme ça dans un premier temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le fait de mettre cette scène qui plus est au tout début du film, c'est pas de nature, je pense, à appuyer le discours de Polanski. Il y a une autre scène du film qui est, à mon avis, une très très grosse erreur de Polanski sur le point de vue historique.
très réussi du point de vue cinématographique et très de nature à appuyer sa thèse, évidemment. Mais d'un point de vue de la réalité historique, c'est une grosse indélicatesse. C'est la fameuse scène où l'état-major réalise qu'il y a un traître dans la maison. Il va s'agir de savoir qui est ce traître et sur la base du bordereau qui comporte une certaine écriture, comparer les écritures avec ceux qui sont susceptibles d'avoir pu transmettre ces documents, c'est-à-dire ceux qui ont été officiers à l'état-major et qui sont passés par les quatre services. Donc, évidemment, comme dans toute enquête policière, entre guillemets, on essaye de jouer à qui est-ce. Vous connaissez ce jeu-là, quoi. Est-ce qu'il a des moustaches? Non. Donc, on vire tous les personnages. On resserre l'étau progressivement. On arrive à limiter à 4 ou 5 personnes. 4 personnes, je crois, parmi lesquelles Dreyfus. Dans le film, on voit qu'ils énumèrent les noms. Alors, les autres s'appellent Dubois, Étienne, enfin, des noms bien français. Et lorsque le nom de Dreyfus sort, alors, on voit les officiers se mettre, ah, le juif, c'est lui, c'est obligatoirement lui, il n'y a même pas la peine d'enquêter. Évidemment, c'est une caricature. Toute la suite du déroulement de l'affaire Dreyfus prouve que ces gens-là ne sont pas transformés en chiens assoiffés de sang dès qu'ils ont vu un nom juif, etc. Ils ont vraiment voulu savoir c'était qui. D'ailleurs, je vais vous dire après pourquoi. Bref, il y a la fameuse scène où on veut faire écrire à Dreyfus un petit mot pour recueillir son écriture, en particulier, afin de pouvoir la comparer au bordereau. Donc cette scène a réellement existé dans l'histoire Dreyfus, dans l'histoire de l'affaire Dreyfus. On convoque Dreyfus, la personne qu'il convoque, un officier supérieur, feint d'avoir mal à la main, donc il ne peut pas écrire lui-même un papier, donc il va demander à Dreyfus de l'écrire, sous sa dictée. Sauf que le texte que Dreyfus va se faire dicter comporte des passages du bordereau. L'idée, c'est de faire réécrire à Dreyfus des passages du bordereau, les mêmes mots, les mêmes suites de mots. Ça va permettre de vraiment avoir une matière plus efficace, plus précise pour comparer ensuite avec l'écriture du bordereau. Dans la réalité, la scène se passe, on commence à dicter, donc Dreyfus écrit, ça on ne le voit pas dans le film, c'est dans la réalité. Et à partir du moment où, sous la dictée, Dreyfus est sommé d'écrire des phrases qui apparaissent telles quelles sur le bordereau, son écriture se met à changer. Comme si il venait de comprendre qu'on lui faisait écrire certaines choses. Et s'il a compris que c'est certaines. Si ça commence à trembler à partir de ce moment-là, c'est qu'il a reconnu des phrases. Donc, s'il les a reconnues, c'est qu'il connaît l'existence du bordereau, voire qu'il l'a écrit. Donc, en fait, cette scène, dans la réalité, dans la véritable affaire Dreyfus, est accablante pour Dreyfus. Mais cette scène, elle apparaît dans le film, sauf qu'elle est coupée. On voit le début, mais on ne voit pas la fin. On voit la convocation de Dreyfus, donc Dreyfus se présente. On voit les officiers qui disent, voilà, oh on va le piéger, alors vous prenez des notes, moi je vais machin, etc. Vous allez voir, on va la voir. Et il arrive, et la scène se coupe là. Alors c'est très très habile de la part de Polanski pour appuyer sa thèse, sauf que l'honnêteté eût été de montrer la suite de cette scène. Quand Dreyfus effectivement prend la plume et se met à trembler à partir du moment où lui fait écrire des phrases qui apparaissent sur le bordereau. Bordereau que Dreyfus n'est pas censé connaître, puisqu'il est prétendument pas l'auteur de ce bordereau. Donc en fait, en ne montrant que le début de cette scène, Polanski montre que l'armée a voulu comploter contre Dreyfus pour le piéger. Donc il a voulu montrer une armée piégeuse, tordue, qui essaye de tendre des pièges à Dreyfus. Donc ça permet d'installer le personnage de Dreyfus dans le rôle de la victime, victime d'une persécution, d'une cabale, d'un complot. Sauf qu'on coupe la scène au moment où, comme par hasard, en fait, elle devient accablante pour Dreyfus. Donc, si c'est volontaire de la part de Polanski, mais évidemment que ça l'est, mais pour ceux qui connaissent la véritable affaire Dreyfus, on a quand même l'impression que certains passages, c'est ce que je disais en tout début de vidéo, on va faire des passerelles entre le film et en fonction de ce que le film dit sur l'affaire, ou alors en fonction de ce que le film ne dit pas sur l'affaire. Et là, ça fait typiquement partie des choses que le film ne dit pas sur l'affaire, sur les véritables événements de l'affaire. Et on peut le comprendre. On peut comprendre que la version Dreyfusarde est quelque peu dérangée par la scène d'un Dreyfus qui se met à trembler à partir du moment où il reconnaît les phrases du bordereau. Bon. Aussi, tout à l'heure, je disais, c'est un peu trop facile de dire, voilà, ils ont vu un nom juif, donc ça y est, forcément, c'est lui le coupable, obligatoirement parce qu'il est juif. Bon, évidemment, tout ça est totalement caricatural, et pour cause, lorsque Picard prend la place du colonel Sanders à la tête de la section de statistiques, il passe chez le docteur qui est complètement, chez ce colonel qui est complètement convalescent, il a atteint, alors, je crois, de la syphilis, pour une passation de consignes, une passation de documents, hein, tout ce qu'il y a de plus banal et classique. Et le colonel dit, écoutez Picard, allez dans ce tiroir là, 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 et puis prenez ce dossier. Picard prend le dossier, il l'ouvre, des pages et des pages, des dizaines de pages avec des noms inscrits. Picard dit, qu'est-ce que c'est? Sander lui répond, 2500 noms de personnes suspectées d'espionnage qu'il faudra arrêter en cas de guerre.
Donc cette scène prouve que le service de statistiques, que l'espionnage ou le contre-espionnage français ne s'était pas amusé à avoir des juifs dans son collimateur, à vouloir piéger Dreyfus pour le plaisir de... Non, le service d'espionnage avait fliqué, entre guillemets, listé, pisté, à ce moment-là, au moins 2500 personnes suspectées d'espionnage, donc 2500 équivalents de Dreyfus, et le personnage, Sander, réplique, et encore, dans la liste que vous avez entre les mains, Picard, il n'y a pas les juifs. Donc on a 2500 personnes suspectées, qui seront arrêtées en cas de guerre, ce sont les consignes, et qui ne sont pas des juifs. Donc il n'y avait pas une cabale anti-juive particulièrement. Donc si Dreyfus a été suspecté, soupçonné d'espionnage, ce n'était pas pour le plaisir d'accuser un juif. C'est que ces gens-là, ce service-là, la statistique, l'espionnage, le contre-espionnage, recherchaient, il y avait vraiment des traîtres, les recherchaient et essayaient de remonter la source. Point barre. Il y a aussi autre chose qu'il me paraît important de dire. Je vous l'ai dit, on suit la trajectoire de Picard. Sauf que la psychologie de Picard n'est pas suffisamment expliqué, et donc on ne comprend pas pourquoi cet officier, qui est présenté comme antisémite, et il s'avère qu'il l'était réellement, ou supposément, en tout cas, dans sa correspondance, on aurait retrouvé des choses. Voilà. Le véritable commandant, colonel, ensuite général, ministre Picard, était antisémite. Voilà. Il aurait tenu des propos moqueurs et antisémites au moment de la scène de dégradation, d'ailleurs on le voit dans le film, mais Polanski décide de faire son film à la gloire de Picard, qui pourtant est un antisémite carabiné apparemment. Cet élément n'est même pas caché dans le film. Et moi je me dis, les Dreyfusards les plus zélés, et qui sont Dreyfusards par opposition à l'antisémitisme, doivent se dire, mince, Polanski, il a fait le con. Il a transformé Picard en héros. J'imagine que ce film, de ce point de vue-là, doit déranger certaines personnes. Quoi qu'il en soit, moi c'est pas sous cet angle-là que je veux aborder la question, c'est pourquoi Picard, cet officier parfaitement installé, qui a une carrière qui se déroule à la perfection, qui est extrêmement bien noté, véritablement dans le dossier, au moment où il prend la tête de la section de statistiques, les dossiers militaires existent toujours, ils sont aux archives, c'était un officier supérieur, alors un officier supérieur par son grade, mais je veux dire, il était considéré comme ayant une intelligence supérieure, très cultivé, très fin, très droit, très, etc. Mais cet homme va à un moment donné décider de se saborder un peu complètement, de devenir l'espèce de héros romantique, de défendre absolument Dreyfus au prix de sa carrière. Et je ne le comprends pas en fait. Je veux bien le comprendre, je veux bien comprendre que ce soit possible, mais ce que je veux dire, c'est que le film ne m'explique pas ça. Quand on lui demande, mais enfin, Picard, pourquoi vous. Ah, bah, par goût de la vérité, parce que, machin, etc. Et aussi parce que un jour, cette histoire sortira et puis ça accablera l'armée. Mais je ne comprends pas pourquoi cet homme qui est parfaitement noté, qui va avoir une carrière parfaite, qui monte en grade régulièrement, enfin, comment il décide de tout saborder? J'aurais aimé que le film nous l'explique. Je ne comprends pas le choix de Polanski de mettre la lumière sur Picard, de ne pas cacher l'élément antisémite constitutif de sa personnalité, mais tout en nous le montrant comme une espèce d'héros romantique qui veut rétablir la vérité à tout prix, y compris au prix de sa propre carrière. Ce parcours existe, tout à fait possible, il y a des gens qui ont fait ça auparavant, mais le film ne l'explique pas. Donc quand on est un téléspectateur qui arrive de l'extérieur et qu'on ne connaît pas l'affaire Dreyfus, qu'on connaît ni Picard ni Dreyfus, etc., tout ce qu'on voit, c'est que ce film est en fait est un petit peu trop romanesque du coup. Et on ne s'explique pas, le film n'explique pas la réalité des motivations de Picard, et j'aurais aimé, moi en tant que téléspectateur, connaître la réalité des motivations de Picard, pourquoi Picard à un moment donné décide de probablement se saborder. Pour ça, il faudrait se tourner vers le livre de notre camarade Adrien Bozzi, L'affaire Dreyfus entre farce et grosse ficelle. Il a des théories là-dessus, selon lesquelles, comment s'appelle, Picard a été retourné, voire acheté, je ne sais pas, en tout cas retourné, manipulé peut-être. Il y avait des idées derrière la tête, il faudrait voir de quoi il s'agit, mais en tout cas le film ne l'explique pas et c'est probablement du point de vue du récit narratif une lacune. Je vais terminer ce petit podcast sans prétention en évoquant la toute dernière scène du film qui là aussi est assez presque étrange en fait. Les choses sont apaisées. Il a largement été réhabilité, Dreyfus. Il est d'ailleurs devenu commandant, donc il a continué son. Entre-temps, Picard a également évolué, il est général.
et même ministre de la guerre. Tous ces faits sont authentiques historiquement. Donc il est dans son cabinet, au ministère de la guerre, on lui annonce la visite de commandant Dreyfus. Il veut rencontrer le ministre. Très bien, entrez, mon commandant, de quoi s'agit-il? Et là, il lui dit, écoutez, monsieur le ministre, ou mon général, je ne sais plus comment il l'appelle, d'ailleurs, il faudrait savoir si un militaire qui s'adresse au ministre de la guerre, qui est aussi un général, doit l'appeler monsieur le ministre ou mon général. L'étiquette, qu'est-ce qui prévaut sur l'autre, je ne sais plus. Enfin bref, ça c'est une aparté. Il dit, écoutez, mon général, on va l'appeler comme ça, moi, pendant tout le temps où j'ai été destitué de l'armée, on a mis ma progression hiérarchique, c'est-à-dire de grade, entre parenthèses. Et elle n'a repris qu'à partir du moment où j'étais réhabilité. Alors que vous, mon général, les 8 ans que vous avez passés hors de l'armée, eh ben on les a quand même comptés au titre de votre ancienneté. Donc vous avez pu monter en grade, continuer à monter en grade, et moi non. Et Dreyfus dit à Picard, droit dans les yeux, je trouve que c'est injuste et que c'est un parti pris. Alors Picard est un peu dans sa tête, il doit se dire, écoute Dreyfus, t'es bien gentil, enfin j'étais un petit peu sorti d'une panade assez exceptionnelle, et là tu viens me chicaner parce que tu voudrais être lieutenant-colonel alors que tu n'es que commandant, ce qui est le grade juste en dessous. J'ai l'impression que tu tires un peu sur la corde, Dreyfus. C'est vraiment ce qu'il doit se dire à ce moment-là. Et il lui dit, c'est pour ça que cette scène est intéressante, elle est intéressante parce que je vous ai dit au tout début, on nous montre un Dreyfus un peu parano. Ah, vous m'avez mal noté parce que je suis juif, et à la toute fin du film, on nous montre un Dreyfus. À peine reconnaissant de Picard, revendicatif même, qui vient dire à Picard droit dans les yeux, vous avez été, j'ai été victime d'une injustice et vous avez été couvert, c'est un parti pris. Wow. Et Picard lui dit, bon, de toute façon, non, ce que vous me demandez n'arrivera pas, la loi ne le prévoit pas, la loi ne me permettrait pas de vous nommer à un grade supérieur comme ça, surtout vous, Dreyfus, hein, on va pas réouvrir encore les plaies. Écoutez, vous avez été réhabilité, vous continuez à monter en grade, ça va bien, quoi. Et l'autre dit, bah si, cette loi, il faudrait la faire, etc. Et là, Picard, droit dans ses bottes, tu dis, non, Dreyfus, ça n'arrivera pas, désolé, est-ce qu'il y avait autre chose? Cette scène est intéressante parce que elle nous conforte dans l'idée d'un Dreyfus qui finalement est assez désagréable humainement, revendicatif, parano, colérique, plusieurs fois dans le film, même si ça peut s'expliquer par la situation dans laquelle il se trouve, où on n'est pas forcément super serein. Mais en tout cas, cette scène nous confirme le caractère qui, humainement parlant, n'est pas très agréable de Dreyfus. Alors pourquoi Polanski nous montre un Dreyfus pas très agréable, je ne sais pas. Et nous confirme dans l'idée d'un Picard un peu psychorigide qui ne lâche rien. Alors, est-ce que c'est pour appuyer en dernière analyse l'antisémitisme de Picard? En voulant dire, Picard, il a fait tout ça, c'était peut-être dans son intérêt personnel, mais l'idée d'aider un juif à reprendre son grade, il n'en a rien à cirer. Lui, il est antisémite de toute façon. Donc, je ne sais pas. Franchement, cette scène est vraiment. Je suis allé voir le film 2 fois au cinéma, et 2 fois, cette scène m'a. Je suis perplexe. Je comprends pas Polanski. Pourquoi Polanski nous montre un Dreyfus décidément désagréable et un Picard aussi décidément désagréable en fait. Les deux héros de son film en fait, à la fin du film, on se dit mais en fait on a quand même affaire à une espèce de tête de. Je vais pas terminer mais on a compris quoi. Donc voilà. Le mot de la fin. Si vous voulez consommer une œuvre artistique, une œuvre, un objet cinématographique, vous trouverez votre compte. Si vous y allez, que vous ne connaissez rien à l'affaire Dreyfus et que vous allez voir ce film pour vous renseigner et comprendre ce qui se passe, c'est pas une bonne idée. Ou alors il va falloir compléter par d'autres lectures, les livres plus académiques si vous voulez, mais aussi il faudra compléter par le livre de notre camarade Adrien Abosy pour avoir le contre-champ de la version académique. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.